Ce message est un message vraiment important que nous sommes en train de développer par la pure grâce de Dieu. This is a very important message that we are going through by the grace of God. Nous sommes dans une série très importante que j'ai commencé les mercredis passés. Lève-toi et brille. We're in a very important series that I started a few Wednesdays ago, which is Arise and Shine. Je vous ai expliqué en fait ce que c'est. I explained you what this means. Le mercredi suis passé. And the Wednesday before last Wednesday. Je fais comprendre en fait clairement en fait la base. I made you understand clearly the basis. Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Because the Bible says that you are the light of the world. Matthieu 5, 14 à 16. In Matthew 5, 14 to 16. Alléluia. Amen. Maintenant, comment on comprend ça? Parce qu'après, Jésus dit que lui-même, il est la lumière du monde. Now, how should we understand this? Because Jesus himself says that he is the light of the world. Et puis, il a dit une chose très importante. Il dit que lui, il est la lumière du monde pendant qu'il est dans le monde. And then he says something very important, that he is the light of the world while he's in the world. Mais quand il est parti, qui est la lumière maintenant? But when he left, who is the light now? Il dit, vous êtes la lumière he du says, monde. You are now the light. Comment ça? How? Il dit, he says, mais toi-même, tu ne peux pas éclairer par toi-même. You cannot enlighten people by yourself. Parce que Ephésiens 5, 8 nous dit que autrefois vous étiez ténèbres. Because Ephesians 5, 8 tells us that before, once upon a time, you were darkness. Donc comment ténèbres peut éclairer? So how can someone that was once a darkness? Donc comment nous sommes devenus lumière? So then how do we become shine? Quand la lumière est venue en nous. Were we able to shine when the light came in qui us? Qui est la lumière? Who is the light? Jésus. Jesus. C'est pour ça que je vous ai fait voir l'image. Vous avez tout ça, j'espère. Que nous sommes des ampoules. That is why I gave you the image of light bulbs. Donc en vérité, disant que nous sommes la lumière là. So by saying that we are light. Nous sommes en fait des ampoules. What we really are is light bulbs. Et la lumière est en nous. And the light is in us. C'est l'image du chrétien. This is the image of the Christian. Et c'est Jésus qui est la lumière cachée en nous. And Jesus is the light hidden in us. C'est pour ça que je vous ai enseigné maintenant la transparence spirituelle. That's why I then taught you about spiritual transparency. Je vous ai dit que si la lumière est en toi. I told you that if the light is in you. La lumière ne tire pas sa puissance de toi. La lumière là, elle est puissante par elle-même. The light doesn't need power from you. The light is all powerful by itself. Puisqu'on l'appelle tout puissant. Because the light is called all powerful. C'est une personne, Jésus Christ. The light is a person, Jesus Christ. Donc j'ai dit premièrement, Dieu va ouvrir nos yeux pour comprendre que plus, tu vois, on dirait que l'ampoule de l'âme, c'est transparent, mais c'est pas trop transparent quoi. So okay, you can see for example, this light bulb is transparent, but not so much. Tu vois, on voit Jésus là. Mais c'est flou. We see Jesus, but we see him blurry. Voilà, donc c'est un chrétien. On ne sait pas si c'est un chrétien ou bien c'est un crétin. So these are the kind of Christians that you cannot really distinguish whether they're Christians or not. Non, on le regarde là. On dirait c'est un chrétien. We look at them and they look like Christians. Les démons discutent quoi? But the word, people of the world are arguing about this. Non, les démons ils discutent. Oh. Ils arguent. The demons are arguing about this. They're not sure. Un démon qui dit c'est un chrétien. And one demon says he's a Christian. The other one says no way. Donc on hésite. On fait des paris sur toi. So they're hesitating. They're doing bets on you. Voilà, les amis là sont dit bon on va l'inviter à la boîte en boîte de nuit. L'autre va dire c'est un chrétien. Non, lui là c'est pas un chrétien. Donc tu vois sur toi même les gens sont en train de douter. The friends will be saying one of your friends will be saying let's invite him to the nightclub. Another one will say he's Christian, and then this one will say no, he's not Christian. They're arguing. They're not sure. Est-ce que honnêtement, j'avais dit là où tu es là, y en a qui peuvent t'inviter toujours en boîte de nuit? Honestly, where you are right now, are there people that can still invite you in nightclubs? Tu vois, regarde. S'ils peuvent, if they can, l'audace, l'oser même t'inviter en boîte, ça veut dire c'est ce qu'ils voient là. Qu'ils ont accès à demander ça. The fact that they even dare to ask you to come to the nightclub with them is because of what they see in you. There are some that cannot even dream about telling them those kind of things or invitations. Mais quand c'est flou, but when it's blurry, c'est bizarre. It's weird. C'est bizarre. It's weird. Ce message-là, il faut l'écouter attentivement. J'espère qu'en lit, on m'entend bien. This message is to be heard very attentively, and I hope that people online can hear me well. Partage, faut t'asseoir avec ta Bible maintenant et ton cahier de notes. Sit down with your Bible and your notebook and your pen and share. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. And say, Holy Spirit, speak to me. Oh, ce message est important pour moi-même.
This message is even important for myself. Donc on a dit le mercredi passé. So we said last Wednesday. Qu'il faut d'abord purifier. Purifier, nettoyer. En fait, en français simple pour que tout le monde comprenne. So first we need to clean, purify. L'ampoule. The light bulb. N'a pas à purifier Jésus. Jésus est pur. Jésus n'a pas besoin de ton aide. Jesus is already pure. He doesn't need your help to be pure. Donc premièrement c'est de purifier, laver ça. So the first thing is to wash and purify. Nettoyer. Clean the light bulb. Et ça, c'est ce qu'on a pris du temps pour enseigner. And that's what we took time to teach. Proverbe 4, 23. Proverbs 4, 23. On va le lire. We won't read it. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. He says, guard your heart above all else. Car de lui viennent quoi? For from it, les sources de la vie. Springs the issues of life. Alléluia. Amen. Maintenant, après, il va dire dans Marc 7 là, il dit que c'est du cœur, c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'impureté. Toutes ces mauvaises œuvres là viennent du cœur souillé. And then he will say in Mark 7 that it is from the heart that the bad thoughts come out, impurity, adultery, and things of that sort, because they all come from the heart that is polluted, dirty. C'est vraiment une analogie, mais c'est très puissant, c'est la vérité. This is an analogy, but it's very powerful because it's the truth. Je vous dis la vérité, c'est un message à différentes dimensions. This is a message of different layers, different dimensions. Différentes dimensions. Different dimensions. Même quand on parle de faux prophètes, tout ça là, c'est ici là. Even when we talk about false, fake prophets, it's all here. Tout dépend de l'ampoule. It all depends on the light bulb. Quand tes rayons sont pas purs. When your rays are not clean, are not pure. Donc tu le vois, ils prophétisent, ils parlent, et puis c'est Dieu, hein. So you see them prophesying, speaking, and it is from God. Mais en même temps. But all together. Il est cupide. He has cupidity in him. Terriblement cupide. Terribly. Il aime l'argent. Greedy, loving money. C'est comme s'il est influencé. It's like he's influenced by it. Pourquoi? Why? Il a purifié l'ampoule. Because he didn't clean the light bulb. Comment on purifie ça? How do we clean the light bulb? Par la parole. By the word. Jean 15, 3. John 15, 3. Comment ça se passe? How does that happen? En écoutant. By listening. Et en. And. Practicing. C'est comme ça qu'on devient pur. This is how we become pure. Quand tu es pur, when you are pure. Matthieu 5, 8. Matthew 5, 8. C'est quoi? What the, qui cite ça rapidement là? What then happens? Car ceux qui ont le cœur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Dieu. Blessed are the pure of heart, for they shall see God. Ah, tu vois? Oh, you see? Ceux qui ont le cœur pur, ceux dont l'ampoule est claire, transparente. Those that have a pure heart, whose light bulb is clear and transparent. Donc, le transparent là, le plus transparent là, car on verra. For they shall see. Dieu. God. Plus tu es transparent, tu vois, en fait là là, c'est que à la limite même, on se demande même s'il y a une ampoule. You see, right now, as the light bulb is so clean, so transparent that you wonder if it's there at all. Parce que tellement c'est pur. Because it's so pure. On voit. La puissance qui est en lui. Then we can see the power in it. Remanamasa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tellement il est pur. He's so pure. C'est pour ça que Dieu m'a dit, parle de la transparence spirituelle. That's what God told me. Speak to them about spiritual transparency. Beaucoup de gens ont témoigné de ce que ce message a fait dans leur vie. Many people testify about the effects of that message in their lives. La transparence. Spiritual transparency. Il y a eu des gens qui sont venus dans la repentance. There are some people who went into repentance. Que ils sont fatigués, ils arrêtent leur péché, ils arrêtent. Saying that they're tired and they're stopping their sins. Écoutez-moi s'il vous plaît. Listen to me please. Ce que j'ai dit là. What I'm telling you is the truth. Il y a des grâces que Dieu veut te donner. There are some graces that God wants to give you. Faut écouter. Listen to this. Il y a des choses déjà sur toi. There are some things hanging over you. Il y a des plans que Dieu a pour toi. There are some plans that God has for you. Maintenant. But. Est-ce que tu as dit ta vie de péché là? Your sin life. Est en train de bloquer et te retarder. It's blocking all those good plans that God has for you and is delaying you. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Are you understanding what I'm telling you? Arrête le péché là. Stop the sin. C'est ma prophétie
This is not a prophecy. Si tu n'arrêtes pas. But it's a fact. Si les prophéties puissantes, tout ce que Dieu dit pour toi, c'est suspendu, c'est en pause. If you don't stop it, all the prophecies, the powerful prophecies that God gave you are just hanging over you. C'est en pause. They're just hanging over you. They're in pause. They can't happen. Tu dois arrêter ta vie de péché. You have to stop your life of sin. Tu dois arrêter ta masturbation. You have to stop your masturbation. Tu dois arrêter l'adultère. Tu dois arrêter la fornication. You should stop adultery. Stop fornication. Tu dois arrêter la perversité. You should stop perversity. Tu dois arrêter ça aujourd'hui. You should stop it today. Sinon les prières, les bénédictions, tu les... Ça vient, ça est là. Mais tu les bloques. Otherwise, all the prayers that you receive, all the blessings that you receive are on you, but they're hanging. You're blocking them. Est-ce que tu as compris ça? Did you understand that? Vous avez compris ça? Did you guys understand that? Si tu comprends ça, if you understand this, dans ce cas, in this case, n'accuse personne. Don't accuse anyone. Ne te plains pas. Don't complain. Si tu n'avances pas. If you don't move forward. Ne te plains pas si ta vie tourne en rond. Don't complain if your life is going in a circle. Ne te plains pas si on choisit les gens et puis on ne choisit pas. Don't complain if all the people are chosen and not you. Ne te plains pas si la grâce arrive sur les gens et que Dieu ne le manifeste dans ta vie. Don't complain if the grace of God is happening and being manifested on the life of other people ne and not in your life. Si tu essaies et puis les choses avortent. Tu essaies et les choses avortent. Don't complain if you try things and they don't work. They are bought midway. Don't complain. You were here Sunday, right? These are the type of messages that revolt someone, get someone upset. These are the type of messages that can change the destiny of someone. Que l'enfant est là. That the child is here. Mais but il manque de puissance. There is lack of power. Pour pousser l'enfant. To push the child out. Bénédiction est là. Meaning the blessing is there. Mais il te manque la force. But you just lack the strength. Pour manifester ça. To manifest it naturally. Il y a une chose que Jésus a dit. J'ai pas peut-être pu le verser. There's one thing that Jesus said. Peut-être vous pouvez. Il dit. He said. Peut-être trouvez-moi ça, s'il vous plaît. Find me the verse, please. Il dit. He says. Que tout ce que le Père m'a donné là. That everything that the Father gave me. Je vais les attirer à moi, quelque chose comme ça. I will attract them to me. Bring them to me. Attirer. Attract them. Vous dites quoi? Me. What does that mean? Il y a des choses que le Père lui a donné déjà. That the things that the Father gave him already. Mais c'était pas manifesté encore. But those things weren't manifested yet. Il fallait que la puissance là, la force Jésus augmente. Pour être capable, tu vois, en fait, c'est comme un aimant. Il faut que la puissance, en fait, l'aimant devienne plus puissant. Pour maintenant attirer, attracter ce que Dieu, le Père, lui a déjà donné. It's like a magnet that needs to be powerful enough to attract the blessing that God gave him already. On est ensemble, non? Are you following me? Regarde. Look. Ok, regarde. Il dit tout ce que le Père me donne. He says, oh. Viendra à moi. All that the Father gives me will come to me. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. And the one who comes to me, I will by no means cast out. Quand une prophétie sort, when a prophecy comes out, quand une parole de Dieu sort sur toi, when the word of God comes out on you, tu as reçu. You have received it. Je vous ai enseigné pourquoi les prophéties n'accomplissent pas souvent dans la vie de certaines personnes. I taught you about the reason why the prophecies sometimes are not accomplished in the life of some people. Regarde, gens de Bethel. People of Bethel. Cross all nations. Cross all nations. Je vous prie d'écouter et puis de pratiquer. Please listen to this and apply it. Ta vie va prendre une dimension claire. En fait, c'est pas c'est très clair. Your life will skyrocket clearly with no question to it. Et on se comprend. Are you understanding me? Il dit, he says, tout, hein? All. Parce qu'il y en a, il attire certains, quelques-uns. Because there's some people that only attract some of the things that the Father gave them. Il y en a, tu sens que ton mariage est là. For some, you feel that your marriage is here. Mais la force qui est dans toi ne peut pas pousser sortir. Ça veut dire que tu ne peux pas attirer ça. But you don't have the strength ton aimant n'est pas assez fort pour l'attirer. But you don't have the strength to push it out. Your magnet doesn't have the strength to attract it to you. Donc tu rêves, tu vois la voiture là, mais
faire, elle se manifeste jamais seulement. So you dream and you see the car brand new, but it's never manifested tu naturally. Tu vois le mariage, la mère, tu sais pas pourquoi il n'est pas là. You dream and you see the marriage, but you don't know why it's not manifested Écoute naturally. Écoute ces messages là. Listen to these messages. Les dimanches, je t'enseigne. On Sundays, I'm teaching la you. La sagesse. About wisdom. Comment reçoit la puissance? How to receive the power? Les mercredis, je t'enseigne comment laisser, ça veut dire la lumière de Christ jaillir, briller. And on Wednesday, I'm teaching you about how to let the light of God shine. Et les jeudis, je te donne les moyens, les dons spirituels, les moyens pour avancer. And on Thursday, I give you the tools, the spiritual gifts and things of that sort to ces move forward. Ces messages maintenant sont très, ça veut dire c'est pour littéralement t'amener fils de Dieu à briller. These messages are so important. They're supposed to bring you to skyrocket and to shine like never before. La Bible dit dans Psaume 14:2. The Bible says in Psalms 14:2. Il dit. He says. L'Éternel ses yeux parcourent la terre pour chercher pour voir qui est intelligent. The Bible says the Lord is going all over the earth, looking all over the earth, looking for someone intelligent. Ce message là. This message. M'a fait du bien. Did so much good to me. Quand moi j'ai entendu ça. When I heard this. J'ai dit quoi? I said what? C'est ça qui est un homme intelligent. This is what an intelligent man does. C'est pas quelqu'un qui mange les formules, les algorithmes. C'est pas lui qui est intelligent. He's not someone that knows so much about algorithms and math. C'est pas un homme qui marche et puis. C'est pas ça. It's not the type of person that walks and is aware of everything around them. No. En fait, si tu es intelligent selon Dieu là, tu vas embaucher les intelligents selon ce monde. In fact, if you're intelligent according to God, you will hire those that are intelligent according to the world. Hein? You understand? Moïse. Meaning Moses. Cherche Dieu. Seeking God. Et tu vas voir les Bezalel là qui ont l'intelligence de travailler l'or. Frère, tous ces gens qui ont la capacité, frère, un cerveau dangereux. Et tous sont des petits de Moïse. Moïse connaît pas comment on fait. Hein? And you see some smart people like Bezalel who have the brain to work on gold, how to find it, mining and everything, but they are little compared to the remake of Moses. I don't know how to make you understand this verse despite its clarity. Tu perds le temps. You're losing time. Quand tu quittes Dieu, tu perds le temps. When you leave God, you're losing time, wasting time. Il faut que tu deviennes intelligent. You need to become intelligent. Hey, moi je cherche Dieu. Listen, I'm looking God for God. On va à l'église, tu viens pas. We're going to church. Moi, you're not going. En fait, regarde. All right. Tu viens borné. You're not going to church. All right, that's up to you. I'm going anyways. Je cherche Dieu. Become focused on. J'arrange I'm seeking for God. Pour chercher Dieu. I'm fixing my schedule so that I can seek God better. Moi, sur un film. Ah, moi, je vais aller prier. Oh, let's go watch a movie. No, I'm going to pray. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Ah, moi, je cherche Dieu. Oh, I'm seeking God. Tu es bête, hein? You're foolish. Okay. All right. Toi, tu fais quoi? What are you doing? Tu prends ton argent, tu fais quoi? What do you do with your money? J'investis dans le royaume de Dieu. I invested in the kingdom of ah, God. Tu n'es pas intelligent. Aren't you intelligent? Okay. All right. So what? Tu cherches Dieu. I'm seeking God. Cherchez Dieu. Seek God. Il dit celui qui est intelligent. The Bible says the intelligent. Celui qui est intelligent. The intelligent. Lui. He. Il cherche Dieu. Seeks God. Ça veut dire il prend ses moyens, il prend ce qu'il a, il prend ses capacités pour chercher Dieu. Meaning he takes his means, his possession, everything he has to seek God. Chercher Dieu. To seek God. Alléluia. Amen. Donc, j'ai parlé de la transparence spirituelle. So I talked about spiritual transparency. C'est là qu'on a touché et arrêté l'hypocrisie. And that's when we talked about stopping hypocrisy. Beaucoup de gens aussi ont témoigné vraiment. Many people also testified about this. Que Dieu soit loué pour ces témoignages. May God be praised for all those testimonies. L'hypocrisie, c'est vraiment pas la transparence. Hypocrisy is the opposite of transparency. C'est double face. Is someone that is double faced. C'est quelqu'un dont sa bouche et son cœur ne sont pas alignés. Is someone whose mouth and heart are not aligned. Pendant qu'elle est en train d'acclamer, waouh, gloire à Dieu, il est en train de penser à autre chose. Vous serez choqué si il vous dit. While you're clapping at something or someone saying, oh, glory to God, he is thinking about something opposite and you'll be shocked if he was to ever tell you. Pendant que tout le monde est content, on sait que le Seigneur là, lui, il trouve un moyen pour être triste, brisé,
Pourquoi c'est pas lui? C'est l'égoïsme même quoi. Qui, ça veut dire, c'est pas bon. While everyone is clapping for the Lord, saying, oh glory to God, he is finding a way to be sad, saying, why wasn't it me? This is pride. It's so evil, so bad. Quand tout le monde acclame le Seigneur pour le témoignage du frère ou de la soeur, lui il est assis, il se dit, ah, moi mon témoignage là, j'ai pas passé. En fait, il est complètement hors quoi. When everybody is clapping the Lord, thanking the Lord for the testimony of the sister or the brother, he's sitting down and saying, why didn't they talk about my testimony? He's completely outside of the subject. Tant que tu quittes pas l'hypocrisie, as long as you don't leave hypocrisy, l'égoïsme, selfishness, hey, c'est que tu as pas avancé. Do you know that you won't move forward? La transparence, c'est être vrai. Transparency is being truthful. C'est là où il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. That's what the Bible says. May your yes be yes and your no be no. Il dit même que ce qu'on y ajoute vient du malin. And the Bible says that everything added afterwards is coming from the wicked one. Tu veux que ta lumière brille? Do you want your light to shine? La transparence spirituelle. Then spiritual transparency. Donc ce soir. So tonight. Ah, c'était le thème de l'autre côté du mercredi passé. Ce soir, je vais te parler de comment laisser la lumière de Christ luire au travers de toi. Tonight, I'll talk to you about how to let the light of Christ shine through you. Dis avec moi ça. Say with me this. Comment laisser la lumière de Christ luire au travers de moi? How to let the light of Christ shine through me? Alléluia. Amen. Rappelle-toi que dans Matthieu 5, 14 à 16, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, qui est très important, il dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu peux lire ça seulement? Matthew 5, from 14 to 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Que votre lumière. Let your light. Que votre lumière. Let your light. Luise. So shine. Oh, da ba. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, ainsi, Lord. Ainsi devant les hommes. Before men. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. That they may see your good works. T'as compris cette partie là que en fait, quand la lumière brille, c'est les bonnes œuvres là qui sont les rayons ou le reflet de ta lumière. Did you understand this part? This part means that when your light is shining, it's the good works that are the results. That's the light that the people see. Et la bombe qui a donné une importance terrible à cela, c'est que Jésus nous a dit dans Éphésiens, il dit, la parole nous dit que Dieu nous a préparé de bonnes œuvres, frère, brother, pour que toi, tu les pratiques. Donc, quelqu'un qui brille selon Dieu, c'est quelqu'un qui est en train d'accomplir, de pratiquer les œuvres que Dieu a déjà préparées pour lui. Amen. And what God says is also very important when he says in Ephesians that God has already prepared beforehand good works for us. Meaning that the one who is shining is the one that is doing all the good works, practicing all the good works that God has prepared for him. C'est pour ça, en fait, dans Psaume 14, il dit que en fait, celui qui est intelligent là. That's why in Psalm 14 verse 2, he says that the intelligent one Dieu, is the one that seeks God. Dieu qui a préparé les bonnes œuvres. Because God is the one who prepared beforehand the good works. Si tu trouves pas Dieu, if you don't find God, tu vas faire des œuvres. You will do works. C'est les mauvaises œuvres. But there will be the wrong. C'est les œuvres de là. There will be the works of the flesh. Et tu es hors de ta destinée. And then you'll be out of your destiny. Donc ton purpose, your purpose on earth. Donc votre raison de vivre sur terre. C'est pas, je vous ai envoyé un message qui disait que ta naissance est un envoi. That's why I said a message and I said that your birth is a sending. Et quand on écoute Jésus attentivement, and when we listen carefully to Jesus, do I have people listening? Est-ce que j'ai des gens qui m'écoutent? Tout le temps il parle de ça. Il dit. He also speaks about that. He says, il faut I must que je fasse les œuvres. Do the works.
de celui qui m'a envoyé. Of the one who sent me. Donc, si tu n'as pas saisi, tu n'as pas accepté, réalisé que tu as été envoyé sur la terre. So if you don't understand, if you don't accept that you have been sent here on earth, puisque la Bible dit, because the Bible says, un enfant est un don. That a child is a gift. J'ai écouté une, elle est scientifique, elle est médecin, elle est quoi, mais chrétienne. I listen to. Pas dit chrétien, c'est la bonne identité là. I listen to someone that is science, that is working in the science field. I don't know if she's a scientist or doctor or something, but she was Christian, which is the most important part of her identity. Elle expliquait un peu certaines choses là. She was explaining some things. Et elle disait. And she was saying. C'est Dieu qui met l'âme dans la semence. That God is the one who placed the soul in the seed. Ça veut dire que. Meaning. La semence de l'homme peut aller rencontrer l'ovule de la femme. The seed of the man can go and meet the egg of the woman. Mais c'est Dieu qui met l'âme. But God is the one who placed the soul in the seed. Donc c'est Dieu qui donne un enfant. So God is the one giving the child. Donc c'est la volonté de Dieu de donner un enfant. So it's the will of God to give a child. Juste une petite parenthèse. Maintenant. Just a little parenthesis now. Parce que l'église de jeunes où les gens se marient maintenant. Donc, moi, c'est un domaine que je ne voulais pas trop toucher, mais il fallait que je creuse pour pouvoir. Parce qu'il y a des questions qu'on me posait, je ne voulais pas. Mais bon, c'est sûr que je commence à faire face à ça maintenant. Ah, papa, quoi, c'est un chrétien un peu. C'est un chrétien un peu. There are some questions that have been asked to me, so I'm taking this time to answer some of these questions. Merci Seigneur. Thank you Lord. Quand vous allez plus vous marier là. When you get married. More. When you get more married. Alléluia. More marriages. Amen. Retournons à la partie qu'elle a dit que c'est Dieu qui met l'âme dans. Donc quand l'homme a sa semence, la femme, mais c'est Dieu qui met l'âme. Let's get back to the point that God is the one who puts the soul in the seed, meaning the man has a seed, the woman also, but God is the only one putting the soul. C'est comme si Dieu bénit pas, c'est rien. It's like if God doesn't bless it, it's nothing. Il y aura pas de grossesse. There will be no pregnancy. Même si y en a, en fait, ça marche pas. Even if there is, it won't work out. C'est pas un enfant. It's not a child. C'est juste c'est rien, un autre vide, c'est rien. It's just an empty egg. There is no soul in it. Donc c'est Dieu qui envoie vraiment. So God is the one truly tisse l'enfant. Sending and sowing the child donc, in the womb. Tu es un don. Dis ça à quelqu'un. So you are a gift of God. Say that to someone. Tu es un don. You are, de Dieu. You are a gift of God. Tu as saisi. Est-ce que tu as réalisé ça? Are you realizing this? Are you understanding this deeply? Peuple de Dieu. People of God. Tu comprends ce que je viens de dire là? Do you understand what I just said? Toi, tu es un don de Dieu. Tu es un cadeau. Bon, faible, c'est cadeau, c'est faible. Tu es un don de Dieu. You are a gift of God. Ça, le chant cadeau et arrêtez ça. C'est un don. It's a gift. Pas ça dans la Bible, hein? It's a gift of God. Alléluia. Amen. Maintenant, now, si tu es un don de Dieu, if you are a gift of God, Jérémie 29, 11. Jeremiah 29, 11. C'est à peu près, ça revient à ce que Ephésiens dit. It's coming back to what Ephesians says. Car j'ai des projets que j'ai formés pour vous. For I know the thoughts that I think toward you. Ou quoi? Ou quoi, vas-y? Car j'ai des bonnes œuvres. Or otherwise, we can say this another way, saying the good works that I think towards you. Mais comme c'était l'Ancien Testament, non, c'est pas bien arrivé, hein, la révélation. But because this was in the Old Testament, the revelation wasn't sinking in well yet. Mais Jérémie pouvait voir quoi, c'est comme si Dieu a des projets et puis c'est bon, c'est tout, voilà. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, Paul va donner la révélation, il dit c'est des bonnes œuvres, parce que Jésus parlait de ça, il dit il faut que je fasse les œuvres là. Jeremiah was seeing it blurry, but then in the New Testament, Paul clarified it by saying there's good works because Jesus was talking about those good works. Que j'ai formé. That I think quand, towards you. Quand? When? Avant même que tu ne naisses. Before you were born. Jérémie a appris ça. Dans Jérémie, c'est pas la peine de bouger. Et Dieu lui a dit ça. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré.
The Lord j'avais formé un ministère prophétique pour yes, toi. Yes. The Lord told that to Jeremiah in the Old Testament, before you were born, I'm the one who sown you in the womb of your mother and I dedicated you to a ministry which I built for you. Maintenant imagine que quand moi j'étais là, j'étais juste à 2 3 4 5 6 ans comme ça, il marchait, il jouait ballon, tekele. Dieu me regarde et dit ah maman. Aïe aïe aïe. Tu sais que lui là. Imagine me 4 or 5 playing some ball, playing around, and God is looking at my mom and saying, "Do you know who this is?" Ma femme m'a demandé ma mère elle dit, je suis curieuse. Quand vous l'avez accouché là, est-ce que vous saviez que c'était un homme de Dieu? Ma mère a dit, je n'avais aucune idée. My wife asked my mother one day, when he was a child, did you know that he was going to become a man of God? And my mother said she had no idea. La question que je te posais là, est-ce que tu sais ce que Dieu a formé pour toi? The question that I have for you is, do you know what God has planned for you? Est-ce que tu as une idée? Do you have an idea at all? Bon, oui, tu as une idée parce que ici il dit projet de paix. Well, you have an idea because it says here thought of peace. Et non de malheur. And not of evil. C'est en fait des plans qui donnent un avenir. Tu auras un avenir puis un futur. These are plans or thoughts that will give you a future, a hope. Mais bon, le contenu maintenant, tu sais pas c'est quoi. But what is it actually? You don't know. Mais en général, tu sais que c'est vraiment quelque chose de, c'est un projet de paix. But in general, you know that it's a plan of peace. Et quand tu rentres dans ça, and when you enter in it, tu as un avenir clair. You have a clear future. Et de l'espérance. You have hope. Voici à peu près. Tu que tu aies une idée de ce que c'est beau hein, c'est très puissant. This is to give you an idea of how marvelous and beautiful the plans of God are. Dieu a un plan pour toi. God has a plan for you. Un plan merveilleux pour toi. A marvelous plan for you. Un plan puissant pour toi. A powerful plan for you. Dans ce plan, il y a de bonnes œuvres. And in this plan, there are good works. Qu'il a préparé. That he has prepared. Pour que toi, tu les accomplisses. For you to accomplish. Pas quelqu'un d'autre. Not anyone else. Pour toi. For you. Amen. Toi. You alone. Les manifeste. To manifest pour and bring les them. Accomplisse. To accomplish them. Donc la chose la plus la pire qui puisse arriver, c'est que numéro un, tu as un don, tu as été envoyé sur la terre et tu ne manifestes pas. Ça veut dire tu ne pratiques pas ce pourquoi on t'a envoyé sur la terre. C'est ça qui est la chose la plus dangereuse. C'est pour ça il faut commencer à chercher Dieu. Ça veut dire faut aller interviewer Dieu. Yes. Tu m'as envoyé pourquoi? The worst. Qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Seigneur, quel est ton plan pour moi? Qu'est-ce que tu veux que de moi? Où est-ce que je dois aller? Where should I go? Comment je dois dire les choses? How should I say things? Quel est ton projet pour moi? What is your plan for me? Chercher Dieu, ça veut dire chercher sa volonté. Seeking God means seeking His will. And this is the worst thing ever, to be a gift sent to earth and not do what God sent us to do. This is the worst thing. That's why we need to interview God. Et je disais que si tu as saisi ce que je viens de dire là, je parle à des gens très dangereux qui sont assis devant moi. Are you aware that if you just understood what I just said, I am not talking to very dangerous people sitting in front of me. Je parle à des impactateurs. And I'm talking to people that are influencers. Des millionnaires qui sont assis. Millionaires sitting down. Des milliardaires. Billionaires. Peuple de Dieu. People of God. Ça veut dire, ah oui, tant que le Seigneur a des plans pour moi, mais ce n'est pas des plans de millions quand même. Well, that... You probably think, oh, I know God has planned for me, but come on, not millions and billions. Dieu a déjà le nombre des enfants déposés. Il a déjà leur nom calé. Il a déjà ce qu'ils vont devenir. Yes. En fait, il a déjà ta maison. En fait, là où tu es assis là, ta maison est déjà. Dieu connaît déjà l'adresse. Yes, yes. Tout est déjà calé. Yes. Ta voiture est fabriquée, déjà déposée. Ou bien elle n'est pas encore fabriquée. En fait yes. Tout est préparé. Le nombre d'âmes que tu vas gagner, ils sont déjà là sur la terre. Yes. Ça veut dire. Ah. Tu n'as aucune idée. Oh, you got.
ton dette privée, on est en train de le construire. Your private debt is already being made. God already knows your children, how many there will be, who there will be. Everything is already planned. God already knows the address of your future house. Il a tout prévu pour toi. He has planned everything for you. Il a besoin que tu rentres. Ah mon fils, tu prends du temps. He just wants you to get into the plane. He's saying, my son, you're taking long. Tu tournes. You're going round and round and round. Viens, on fait 100%. Viens, on va aller. Come home, be engaged 100%. Let's go. Seigneur, mais j'ai des œuvres. Dieu dit, laisse. C'est pas ma volonté. And you're saying, oh Lord, I have my own business, I have my own plans. And God is saying, no, leave them aside. That's not my will. Directement, comment manifester. Say with me, how to manifest. Comment laisser la lumière de Christ qui est en moi luire. How to let the light of Christ in me shine. C'est ce que le Seigneur veut te parler ce soir. That's what the Lord wants to talk to you about tonight. C'est une clé importante. En fait, this is an important key. It's powerful keys. C'est une puissante clé. Ceux qui vont décider. Il faut que tu sois assis avec une soif. Meaning you need to be already sitting down with a thirst and an anger. Si tu étais là dimanche, if you were here once Sunday, tu dois décider. You will be decided. Tu dois décider maintenant. You must be decided by now. Ça suffit. It's enough. Ça fait 28 ans que j'ai vécu sur la terre. It's been 28 years that I've been on this earth. Il n'y a pas eu de fruits. And there have been no fruits so far. Ça suffit. Enough is enough. Jésus vient. Jesus come. On y va. Let's go. Il y a quoi encore que tu cherches? What else are you looking for? Tu cherches quoi? What are you looking for? C'est quand que tu vas admettre que ça marche pas? When will you acknowledge that your plans don't work? Que ce soit aujourd'hui. Let that day be today that you stop. En fait, c'est des déclins comme ça qui changent la vie d'une personne. These are decisions that changes the life of people right away. Ça veut dire un jeune qui décide et qui se jette dans les mains de Dieu depuis ce jour-là. Ça on dit que ta vie va vraiment changer. Meaning a young person that just decides to put himself 100% into God, since that day the life changes. Est-ce que tu m'entends? Are you hearing me? Hein? Are you? La distance n'est pas un problème. Distance is not a problem. Je parle à une servante puissante de Dieu. I am talking to a marvelous and powerful servant of God right now. Dieu cherche quelqu'un. Because God is looking for someone. Dieu a un plan. God has a plan. Il a des bonnes œuvres préparées. He has good works already prepared. Parce que tu as déjà fait 1% même. It's not even sure that you've already done 1%. Il a des œuvres. He has wonderful works for you. S'il t'étale un peu, tu vas même pas croire. If he was puissant. If he was to tell you just a little bit, you won't believe because it's so powerful. C'est pour ça qu'il détale un peu. That's why he reveals them little by little. C'est pour ça que tu as un peu. Reveal them little by little. Tu as vu déjà, quand j'ai dit millionnaire là, tu m'as regardé, on ne se connaît pas. You see, when I said you'll be a billionaire, you looked at me like you don't even know me. Là où tu es là. Because right now. Cette œuvre de Dieu là, ouais, c'est trop puissant. Oh, this work of God is too powerful. That's Dieu what you're sait, thinking. Dieu sait. And God knows that. Il y a eu une œuvre de 5 000 d'abord. But there is a work of only $100,000. You see, on the path. Ça, c'est les choses matérielles, c'est pas les choses les plus importantes. Mais Dieu, ça lui appartient. Donc, ça aussi, il accompagne avec. These are the material things. They're not the most important, but because they belong to God, He just blesses us with them. S'il te dit, tu vas gagner 52 millions d'âmes. If He wants to tell you that you will win 52 millions of souls. En Amérique. In America. Tu dis, You say, wow. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Ambitieux, eh? Come on now, you're ambitious. Je parle même pas anglais, Seigneur. I'm not even talking in good English yet. That's why he knows that if he tells you about those numbers of souls, you will say that it's lie. Amen, comme c'est lui qui dit, mais tu vas pas croire. You say amen because he's the one saying it, but you won't believe it. Donc, il étale un peu. So he shows his friends little by little. Il étale un peu. Shows them little by little. Il a des plans puissants. He has powerful plans for you. Arrête de conduire ta vie. Look, stop leading your own life. Faut t'arrêter. Stop. Tu vas où? Where are you going? Un aveugle comme ça. A blind. Tu sais où tu vas? Do you know where you're going? Regarde comment tu t'es conduit, rentrer dans les problèmes dans lesquels tu es là. Look at how you led yourself straight into the problems in which you are. Regarde les dettes que tu as là. Look at the debts that you have.
C'est quoi le résultat? What's the result? C'est le résultat de quelqu'un qui dit, Seigneur, je connais le chemin, je connais le chemin. Et elle dette de 27 000 dollars. That's the result of someone saying, Lord, leave it, I can handle it, and then goes and hit the wall, debt of $27,000. Seigneur, laisse, je connais. Lord, je connais le système. I know the system, I know how it works. Non, je vais l'avoir. I'll get her. Il me veut, mais je sais comment. Seigneur, laisse de côté, je connais les œuvres. Lord, you can see on the side, I can handle him. Pour la grossesse. And then you fall into a pregnancy. Dieu dit, j'avais prévu ça dans un après mariage, dans cinq. Toi, tu es là, tu as dit, tu connais. And God said, you see, I planned this to happen after you married, but you told me that you can handle it, you know it. Tu n'as pas levé ta main et dit, je connais pas. Won't you just lift your hand and say, Lord, I don't know. Tu vas te conduire en brousse. You see, you will lead yourself straight into a wall. Tu vas conduire ta famille dans un fossé. You will lead your whole family into a pit. Tu connais pas le chemin. You do not know the way. Il y en a que Dieu donne seulement, tu vas ouvrir un restaurant. Et puis depuis ce jour-là, il a coupé la communication avec Dieu. Et puis il dit, je connais comment on fait un restaurant. Dieu dit, tu as vu. Moi, je donne seulement l'idée. Je ne t'ai pas donné le plan, comment on va faire, qui va être ton employé. Tu t'es levé, tu es parti, tu as pris les sorciers, mettre dans l'entreprise là. There's, for some people, God told them you will open a restaurant. God just gave them the idea, and then they blocked all connection with God, and they say, "Okay, I'm gonna do this business. I can handle it by myself." And they go and they hire the wrong employees that mess up their business. Est-ce qu'on se parle même? Are we talking to each other? Are we understanding each other? Là, on parle sérieux. Right now, we are talking a serious talk because. It's about your life. Tu es le père des gens. Tu es le père de quelqu'un. You are the father of people. Tu es la mère de quelqu'un. You are the mother of people. Tu es le mari d'une femme. You are the husband of a wife. Tu es la femme d'un homme. You are the wife of a man. Tu ne peux pas continuer à te conduire au hasard. You cannot keep on leading yourself randomly, mindlessly. Tu n'es pas juste seul comme ça. Ça veut dire, il y a des Dieu dans le futur. Il y a toute une famille. You're not just alone all by yourself. In the future, you have a whole family. Et il y en a ici là. Il y a tout un peuple. And for some here, there's a whole people behind you. Tu ne peux pas conduire comme tu veux. You cannot just lead yourself like you want. Il y en a qui vont être des pasteurs de 5,000 membres. Some people will be pastors of 5,000 members. Si tu ne connais pas ça là. But if you don't know that, tu vas gâter tout. You just mess everything up. Mais laisse Dieu. Just let God. Comme il connaît tout. Because he knows it all. Sur le chemin déjà, il manifeste les bonnes œuvres. Il te donne les connexions avant que ça arrive. On the path, he manifests the good works. Give you the right connection before you get to your destination. Te prépare pas à pas. Get you ready step by step. Pas à pas. Step by step. Philippiens 3. Philippians 3. 3:3-7. 3:3-7. Quelqu'un reçoit la parole. Is someone receiving the word? Yeah. Hey. Quelqu'un comprend la parole. Is someone understanding the word? Hallelujah. Amen. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. For we are the circumcision who worship God in the spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. I feel like the Lord is telling me to slow down. When he's telling me that, that means that he's about to release something crucially important. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes ce que Dieu est en train de relâcher maintenant là. May God open your eyes and your ears so that you can receive what he's releasing right now. Et nous ne mettons point notre confiance en la chair. And have no confidence in the flesh. C'est ce qu'on parlait tout de suite. That's what we were talking about. Qu'est-ce qu'est le thème? What is the theme? Comment? How? Laisser la lumière. To let the light de Christ. Of Christ. Qui est en nous. That is in us. Lui. Shine. Ça veut dire que tu comprends très bien maintenant. Tu es une ampoule, Jésus est la lumière. You now understand that you are a light bulb and Jesus is the light. Et quand la lumière lui, c'est les bonnes œuvres. Et comment les bonnes œuvres sont manifestées? Jésus se les connaît, puis c'est lui qui les a préparés pour toi. Il a ton cahier de charges, ton cahier des œuvres. Il a ça pour lui, en lui. Donc, c'est lui qui peut les manifester. Quand on dit il brille là,
et lui qui peut les manifester. Donc l'affaire, comment laisser Jésus au travers de moi manifester les œuvres qu'il a préparées pour moi? So you are the light bulb and Jesus is the light in you. Now when the light shines, the light, the rays that is seen by the people is called the good works. And those good works, God prepared them for you beforehand. And now those good works are in Jesus Christ that is in you. Therefore, this theme is about how to let Jesus Christ manifest those good works that were prepared for you, through you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. In the near future, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Verset 4. Verse 4. Moi aussi. Though I also. Cependant. My. J'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Have confidence in the flesh. Frères et sœurs, brothers and sisters, let's follow this. Paul dit. Paul said. Ma fille, écoute, okay? My daughter, listen to me. Are you listening? Il dit. He says. Bon, en vérité. In truth. En réalité. In reality. Je peux mettre ma confiance en la chair. I might put my confidence in the flesh. Vous pouvez comprendre, hein? Understand this carefully and well. On se suit. Are you following me so far? Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. If anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Regarde. Listen, look at this. C'est des révélations. These are revelations. Paul dit, faut pas se confier à la chair. Paul said, do not trust in your flesh. Pour le faire comment il dit regarde. But si quelqu'un veut se confier à la chair là, moi-même je peux faire ça mieux que vous. And to make them understand, he says that if anyone thinks he may be able to trust in his flesh, he's telling that person, I can trust in my flesh more than you ever can. Laisse-le parler. Let's let him speak. Moi. I. Circoncis le huitième jour. Circumcised on the eighth day. C'est très puissant en Israël. This is a very powerful thing in Israel. Has a powerful meaning. Si tu as raté le huitième jour, tu peux plus jamais être circoncis le huitième jour. If you miss the eighth day, you can never, ever again be circumcised the eighth day. En fait, c'est une valeur très puissante. This is a powerful value. Jésus était circoncis le huitième jour. Jesus was also circumcised the eighth day. C'est comme une loi en Israël. It's a law in Israel. Selon le Seigneur. According to the Lord. Donc Paul dit si c'est en fait les œuvres toi. Il dit moi j'étais circoncis le huitième jour. So Paul is saying if it's about the work of the flesh, I was circumcised on the eighth day. Je suis de la race d'Israël. And I am of the tribe of Israel. C'était une race. Élevé quoi. That was a very high, elevated donc, race. Moi, je suis cette race là. I am part of them. C'est la chair. If it's according to the flesh. Et puis, and then, de la tribu de Benjamin. Of the tribe of Benjamin. Si vous parlez de chair là. If it's about flesh. Je viens de la tribu de Benjamin. I myself come from the tribe of Benjamin. Et puis, and je suis hébreu. A Hebrew. Né hébreu. Of the Hebrews. J'ai mon passeport hébreu. I have my passport from Hebrew. Israélien. From my Israelian passport. Tu peux pas avoir si tu n'es pas né là-bas. You can't have it if you weren't born there. Donc, si c'est pour, je te montrer les bénéfices que j'ai. So let me show you the benefits that I have according to the flesh. Quelqu'un dirait. Someone might say. Mon père. My father. Il a 32 maisons en Afrique. Has 32 houses in Africa. Mon père. My father. A un compte pour moi où il a où à ce moment il y a $35,000. He has a bank account for me that has a lot of money in it, thousands of dollars.
Là où je suis assis dans l'église, puis j'ai croisé mes pieds comme ça. As I'm sitting right now at church with my feet crossed. En ce moment dans mon savings. Right now in my savings. Je peux déposer 45 000 dollars. I can put down $45,000. En fait, c'est un peu ce que Paul. This is the kind of thing that Paul is saying right now. Some are saying that. Moi que vous voyez comme ça. Oh, me that you see. Mon mari. My husband. Mon mari. My husband. Mon oncle. My uncle. Ma tante. My aunt. La grande sœur de ma mère. The big sister of my mother. Est-ce que vous savez qui c'est? Do you know who that is? Je te dis, tu vas tomber. If I told you, you would fall. Faut rire comme moi. Try laughing like me. Moi, je ne ris pas comme ça. I don't laugh like that. J'essaie d'imiter quelqu'un qui s'enorgueillit. I just try to imitate someone that is boasting. Alléluia. Amen. Il dit. He says. Quant à la loi, je suis pharisien. Donc le gars il a double nationalité ou bien triple là, parce qu'il est romain aussi. Il a une grâce dans chez les Roms aussi. And then he says, concerning the law, I am a Pharisee, and he has so many nationalities because he also has grace to the Romans. Rappelle-toi que c'est les Romains qui l'ont utilisé pour quand il était sur le Tars là. Remember that the Romans are the one who used him when he was Saul of Tarsus. Si c'est intelligent, faut laisser. If intelligent, humain là. If it's about human brain power, he has so much of it. Si c'était autorité, if it's humaine, about human authority, il avait des soldats qui qui obéissent à chaque ordre qui va claquer. He had soldiers ready to obey to every order he ever gave. Donc en fait, quand un homme moi te parle là, il faut rester tranquille quoi, parce qu'il n'a pas encore ce social là. So when a man of that standing talks to you, you need to stay calm. You don't even have a social security yet. Le gars là, il a trois passeports. He has three passports. Des pays les plus puissants. From the mightiest countries of the time. Puissant par rapport à Dieu Israël. Mighty because in front of God as Israel. Puissant par rapport à la terre et comme États-Unis à l'époque, Rome. Mighty according to the earth as the United States of that time, which was Rome. Et puis les circoncis le huitième jour, frère. Ça c'est quelque chose de fort quoi. And then he was circumcised the eighth day. This is something very powerful. Et puis les pharisiens. And he's a Pharisee. En termes de loi, ça veut dire concerning il est the law. Un docteur même. Meaning he is a doctor of the law. On écoute bien le gars maintenant. Are we listening to him carefully? Donc calme-toi. So calm down. Quand c'est si on parle de zèle. When we talk about zeal, the zeal. Hein? Si c'est une affaire de se confier à la chair, laissez-je vous parler. Oh, it's about trusting the flesh, right? Let me talk to you about this. Et ici aussi c'est par rapport au zèle. He said concerning the zeal. J'ai été persécuteur de l'église. Persecuting the church. Personne n'a persécuté l'église plus que moi. No one persecuted the church more than him. Mon nom est dans l'histoire. My name is in history for that. Quand je rentrais dans une ville, tout le monde se cache. When I was entering in any city, all Christians will hide. Donc il faut vous calmer. So calm down. Toi qui dis ah. You're saying oh. This or that. Tu connais ce que moi je fais dans le monde? Do you know what I do in the world? tu connais avec qui je dînais? Do you know with who I was having dinner last night? On s'humilie ici, hein? Oh, we've just been humble around here, so. Ah, yeah. Zokaraki, la star, là. The star called Zokaraki. Hey, tu sais que nous avons mangé à la piscine ensemble? Do you know that we were swimming in the same pool? Est-ce que tu sais que... Oh, you don't know. You have no idea. Tu sais pas. You have no idea. Tu connais que l'ex-président de tel pays, là? J'ai été avec lui dans un hôtel. Do you know the ex-president of such country? I was with him in the hotel. Tu n'as aucune idée. You have no idea. Tu sais pas avec qui je traînais. You don't know with who I was hanging out. Tu connais dans telle voiture j'ai été. Do you know in what car I've been? Tu connais quelle voiture? Il y en a qui m'ont. Tu connais combien de bagues de gens riches j'ai refusé? Do you know how many wedding rings of wealthy people I refused? Dis avec moi, va là-bas. Say with me, go away.
Paul dit. Paul says. Ça veut dire, en fait, ici là, il vient de parler parce que la chair, ça veut dire la chair de dire ce qu'il a fait dans le monde. This is the flesh. The flesh is telling you what the flesh did, and Paul is here. Here he's telling us what he did in the world. À la rigueur, est-ce qu'on sait pas si toi-même tu es sûr que tu es converti? At the end of the day, after having such character, people don't know if you're converted or not. On dirait tu aimes ce que tu faisais là-dedans. Because it's like you loved what you were doing in the world. C'est comme c'est une forme de gloire que tu as mis dans derrière poche là. It's like it's a kind of glory that you'll put in your back pocket. Dans ton CV quoi. In your saving pocket, save it for pride and selfish purposes pocket. Quand les artistes sont venus là. When the artist came. Les artistes là et puis le président, tu vois les artistes qui sont venus là. Je les connais tous, ils ont tous voulu me voir, j'ai dit non. Oh, and the president, when all those celebrities came, they wanted to see me and I said no, I don't have time. Je les connais tous. I know them all. C'était mon petit. And this other one, we were in England together. C'est moi qui le gérais. I was the one giving him pocket money. Directement, va là-bas. Stay with me, away from me. Stop it. Arrêtez. C'est vanté, vanté. Boasting, boasting, boasting. Moi, mon anniversaire, tu sais où j'ai fêté ça? My birthday, do you know where I celebrated it? C'est quoi? C'est dans le sous-sol ou bien? Was it in underground or where? Moi. Me. Il n'y a pas péché que je n'ai pas fait. There's no sin I haven't done. Masturbation, j'ai fait. Masturbation, I was into it. Homme, j'ai fait. Man, I was into it. Il parle et puis on dirait, le gars, il est fier de. He's talking and you feel that he's proud of what he did. J'ai couché avec des hommes, des millionnaires. I slept with millionaires, men. J'ai dormi sur un lit rempli de cash. I slept on a bed full of cash. Si tu vois. Va là-bas. Away from me. Paul dit, tu vois, c'est très puissant quand il dit celui qui l'a persécuté, c'est pas, il dit il a persécuté l'Église. L'Église c'est l'agence la plus puissante sur la terre. Donc si c'est pour prendre gloire charnellement humainement là, il en a dit si c'est ça, moi j'ai persécuté l'Église de Christ. What Paul here is saying here is very powerful because the church is the most powerful organization on the earth. So if it's about natural boasting and natural glory, he can boast about persecuting the church. Je suis en train de te montrer comment laisser la lumière de Christ lui au travers de toi. What I'm telling you is showing you how to let the light of Christ shine through you. Aujourd'hui même. There are some. They will say today. Aujourd'hui même. Today. Si je décide. If I decide. Je fais des appels. And I make few phone calls. Hein? Listen to me. Je peux vivre dans un appartement luxe hors norme à Manhattan. I can live in a luxurious penthouse in Manhattan. Toi tu connais? Do you know? C'était un pilote qui me cherchait. Oh, a pilot was dating me. Jusque là, il m'écrit, hein? He's still writing me, you know. Je vous dis, I'm telling you things, you know. C'est l'humilité, hein? This is all about humility. You guys don't know. Il a un avion privé. He has a private plane. C'est un Français. He's a French. C'est pas un Franquin. Are you sure about that? Il y a là comme ça, vous me regardez, vous êtes là. There's some. Et puis ils sont versés en ligne. Là, ils viennent. You're looking at me right now, and they're all over online, laughing. Ma tante, mon oncle, my aunt, my uncle, my this, my dad. Moi là, même si je travaille pas. Even if I don't work. Même si je travaille pas. Even if I don't work. À New York ici. Here in New York. Mon loyer sera payé. The rent will be paid. Ma voiture, l'assurance sera payée. The insurance for my car will be paid. J'aurai tout ce que je veux. I will have everything I want. Thank God, nous sommes nés des parents pauvres même. Dieu merci that we were born with poor parents. That way we can understand some realities. Alléluia. Amen. Paul dit, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Je n'ai jamais eu crime. Quand tu regardes mon record, tu prends mon social security number, il n'y a pas de crime. J'ai jamais brûlé le feu. Paul dit, I don't know if you understand. Irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Il n'a jamais fraudé. Concerning the righteousness in which is the law, blameless. Meaning if you were to take a social security, you would say nothing ever done wrong. Quand on fait background check. When is the background check? Sur Paul. On Paul. Zero. Zero. Nothing found. Clean. Clean record. Jamais fait la prison. Never done prison. Jamais. Je parle pas de quand les bonnes choses vont commencer. Hein. Je parle de
dans le monde. I'm not talking about when the good works will begin. I'm talking about his life in the world. Rien. Nothing. Blameless. La justice. Righteousness. N'a pas de record de lui. Justice department has no record of him. Continuons. Let's continue. Mais. But. Ces choses. What things. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es, dis mais. Stand up where you are and say but. Ces choses. Those things. Qui étaient pour moi des gains. Were gain to me. Je les ai regardés comme une perte. These I have counted lost. À cause de. For. Acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Asseyez-vous. You may take a seat. Tu veux que la lumière de Christ brille au travers de toi? Do you want the light of Christ to shine through you? Ce que je viens d'expliquer là. What I've just explained. À partir d'aujourd'hui. From today on. Il faut que tu arrêtes ça. You need to stop that. Il faut que tu arrêtes cette affaire. You need to stop that behavior. Même si on me rapatrie, même aujourd'hui, là, est-ce que nous avons une maison qui nous attend? Regarde, il faut que tu as. They sing of even if I'm deported today, I have a big house waiting for me. You need to stop it. Stop it. Il faut arrêter ça. Stop it, seriously. Sinon, la lumière de Christ brille au travers de toi là. Rien. Otherwise, when it comes to the light of Christ shining through you, nothing will happen. C'est pourquoi? Do you know why? Parce que tu brilles toi-même déjà. Because you're shining of your own. Parce que quelqu'un qui dit ça là-haut. Someone who says those things boasts like that. Sa manière de briller. That's his way of shining. Humainement. Humanly. Humainement. Humanly. Oh Jésus, thank you for this word. Oh Jesus, merci pour cette parole. Ça nous aide pas? Isn't this helping us? Souvent yes. Dans l'ignorance, tu sais même pas. Et puis tu parles. Et puis tu es orgueilleux, mais tu sais même pas que tu es orgueilleux. Sometimes you may say those things in pride, and you don't even know about it. Et puis il y en a, c'est dans leur pensée, dans leur pensée. And some is in the thoughts that they sa say. Sa paix those vient pas de Christ, sa paix vient de son père. His peace doesn't come from Christ, but from his father. Sa paix vient de sa mère. His peace is coming from his mother. Sonde ton cœur, tout de suite voir. Search your heart right now and see. Tu verras que tu vas sûr que ta paix vient de Christ. You see that it's not sure that your peace is coming from Christ. Non, regarde maintenant la voir, s'il te plaît. Search it, look into your heart, please do so. C'est pas des choses où dire amen, alléluia. Non. Quand on dit de sonder, tu fais, tu réfléchis. These are not the kind of thing to just say amen. No. When we talk about searching your heart, close your eyes et puis and think. Tu sondes, tu regardes, tu es honnête avec toi. Faut pas être hypocrite. Tu es honnête, voir. Ta paix vient de quoi? And search, think deeply in your heart. Don't be a hypocrite to yourself. Be honest with yourself and see where is your peace ta coming paix from. Vient de qui? Whom is your peace coming from? Paul, tu dis quoi? What are you saying, Paul? Should we stop the message here? Just for you to think about this. Did you hear what Paul said? Ce qu'il avait? What he had in the world? Mais en fait, Paul s'en fout. But he doesn't care about it anymore. Il dit, mais toutes ces choses. He says, what those things were. Qui étaient. That were gain to me. Pour moi. To me, des gains. Gains. Pour dire, meaning, ce n'est plus des gains pour moi. There are no longer gains to me. Ce n'est plus des gains pour moi. There are no longer gains to me. Toi qui regardais tes papiers comme un gain. You that were considering your papers as a gain. La puissance d'un passeport. The power of your passport. Ta race. Your race. Moi je suis gabonaise. Hein? Oh, I am from Gabon. Moi, je suis Nigérian. Hein? I am from Nigeria. Je suis Français. I am French. Je suis Burkinabé. I am Burkinabé. Homme intègre. Man of integrity. Je suis jaune. I am yellow. Je suis blanc. I am white. Je suis vert. I am green. Est-ce que dans ton cœur, in your heart, tu tires pas gloire quelque part de ces choses-là? Don't you get your glory from some of those things? Et tu penses que ces choses-là sont des gains pour toi? Ça veut dire tu penses que ces choses-là t'ouvrent des portes selon toi? Don't you think that those things are gains for you? Meaning, don't you think that they open doors for you? There are advantages to you. Ah, Dieu nous déshabille. Hein? Oh, God is unveiling us.
For some, it's their job, but they have a good job where they're well paid. Paul dit, Paul said, je regarde toutes ces choses. I consider all those things, I counted them comme une as a perte. Loss. Pourquoi? Why? À cause de Christ, parce que je veux que la lumière de Christ brille. For Christ, because I want the light of Christ to shine. Dis amen. Say amen. Amen. Donne-moi Philippiens 2, recule d'un chapitre, Philippiens 2, 6. Give me Philippians 2, 6. Je vais vous donner le principe ce soir. Let me give you the principle here tonight. Comment laisser Christ, la lumière de Christ, luire. How to let the light of Christ shine. Yes, Lord, yes, Lord. Comment laisser la lumière de Christ luire. How to let the light of Christ shine. Comment laisser la lumière de Christ luire au travers de moi? How to let the light of Christ shine through me? C'est en fait pour que la lumière de Christ luise au travers de moi, il faut que je m'identifie à Christ. Wow. So for the light of Christ to shine through me, I have to identify myself to Christ. Depuis là, je pense à l'analogie que je vais faire. I am thinking about the analogy I'll take for you to understand this. Viens comme ça. Je vais essayer voir. I'll try this. Fais face là. Lui, il est comme un homme. He is like a man. Et moi, je suis comme Christ. And I'm Christ. Et lui, il doit briller. And he has to shine. Christ connaît les œuvres qu'il doit faire. Christ knows the work that he should do. Ce que je suis en t'amener par là, c'est le reniement de soi. Where I'm bringing you step by step is the self-denial. Parce que par toi-même comme ça, tu as ta propre volonté, tes propres intellects, ta propre sentiments, tes propres émotions. Tu as tes propres plans pour toi-même. Tu en as déjà. Because by yourself, you have your own will, your own project, your own plans by yourself. On se comprend? Are you following me so far? On se comprend? Are you following me? Maintenant. Now. Lui là. He. Son pasteur à New York, Bethel, quoi, lui enseigne. His pastor in New York, Bethel, is teaching him. Comment laisser Christ. How to let Christ. La lumière de Christ. The light of Christ. Luire au travers de lui. Shine through him. Premièrement. First. Il faut d'abord devenir presque invisible. Il faut d'abord commencer à être plus transparent pour qu'on me voie. He has to become almost invisible, transparent, so that people can see me. Là, on me voit pas bien. Right now, they don't see me clearly. Il n'est pas transparent. Because he's not transparent. Donc, il faut qu'il se dépollue. So he has to depollute himself, clean himself. Il faut qu'il arrête l'hypocrisie. He has to stop hypocrisy. Pour que ce que je dis, ce qui sort là-bas. So that what I say is what is coming out. Ce que je fais, ce qu'il fait. What I'm doing is what he's doing. Ce que je veux regarder, ce qu'il regarde. What I'm looking at is what he wants bon, to en fait, look on at. Suppose que je suis en lui, quoi. Suppose I'm in him. For example. On est ensemble. Are you following? Il faut qu'il soit sensible. He has to be sensitive. Ok. Sensible pour quoi, regarde là. Sensitive for what? Look. Tu as senti ce que? Did you feel voilà. What I just pour pouvoir did? Sentir que c'est Dieu en train de faire. For him to feel what God is doing and to do the same. Alléluia. Amen. On se comprend? Do you understand? Donc, l'élément principal. So the main element. Pour laisser la lumière de Christ luire au travers de toi. To let the light of Christ shine through you. Tu sais très bien maintenant que la lumière luire au travers de toi là, c'est en fait les bonnes œuvres. You now know that the light shining through you is actually the good words. On a vu beaucoup d'exemples le mercredi passé par rapport aux bonnes œuvres, par rapport à Tabitha, tout ça, vraiment. Tout ce que Dieu, tout ce qui vient de Dieu, qui pratique, c'est vraiment des bonnes œuvres. We took a lot of good examples last Wednesday about Tabitha and other people, meaning everything that is coming from God as a work is good. On se comprend? Do you understand? Maintenant, now, pour que vous compreniez le principe, for you to understand the principle, Jésus, Jesus, devait venir mourir à la croix. Should come and die at the cross. Ah, Jésus. Oh, Jesus. Parle en langue un peu. Speak in tongue for a little while.
Donc, pour qu'il puisse être homme, pour qu'il puisse manifester l'humanité, pour pouvoir manifester ce que Dieu a prévu pour lui qui meurt, pour pouvoir faire l'œuvre de mourir, là, c'est une bonne œuvre pour sauver les hommes. Il faudrait que lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 8 et qui suit, mais c'est dépouillé lui-même. C'est ce que je t'ai expliqué. Lis, s'il te plaît. And being found in appearance, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. And being found in the appearance as a man, tu as allé trop vite. Oh, désolé. Il dit, tu vois, il veut venir. He wants to come. Mais il est qui? But who is he right now? Hein? Who is he right now? God. God. Et là où il veut venir là. And where he wants to come. Pour laisser l'humanité se manifester là. To let humanity be manifested. Il faut que quoi? He has to. Premièrement. First. Il y a un reniement de soi. There is a self-denial that must happen. De Jésus lui-même. Of Jesus himself. Va se renier, va se dépouiller. De ce qui le rend Dieu. C'est ce que Paul a fait. Il s'est dépouillé de ce que lui il était. Romain, israélite, hébreu, pharisien. J'ai fait ça, je suis comme voilà. Il dit ça là. Perte. Ça c'est une perte pour moi. A self-denial. The same thing that Jesus did here. He denied himself. Denied himself of everything that made him God. That is the same thing that Paul did. By denying himself of everything that he was in the world. Alléluia. Amen. Il s'est renié. He denied himself. C'était un dépouillement. It was a making of no reputation. Dépouillement. Self-denial. Jésus aussi. Jesus also. S'est dépouillé lui-même. Denied himself. C'est toi qui dois le faire toi-même. You have to deny yourself. You have to do it by yourself. Dépouille-toi de ce que tu penses les gains là. Deny yourself of everything you think was a gain to you. Te renier toi-même. Deny yourself. Ça c'est le principe. This is the principle. Quand il a fait ça, when he did that, maintenant, then, il a pu prendre la forme d'un serviteur en devenant semblable, semblable, en devenant tellement transparent comme un homme. Et ayant paru comme un homme, oh pourtant, il n'est pas ça. Lui-même, il n'est pas ça. Il est Dieu Tout-Puissant. He is God. Il est Alpha et Omega. Amen. Il est l'étoile brillante du matin. He is the shining light of the morning. Il est le commencement et la fin. He is the beginning and the end. Il est la parole de Dieu. He is the word of God. Il est l'agneau. He is the lamb. Il est le feu dévorant. The fire. Il est éternel. He is the Lord. Il donne le sommeil. He doesn't sleep nor slumber. Il est tout ça. He is all of that. Mais il va renier ça. But he stripped it all away. Devenir comme un homme simple. To become like a simple human. Voici le principe puissant. Here is the principle and powerful. Paul l'a compris. Paul understood this. Donc maintenant. So then. Comprends maintenant ça humainement ici. Then understand this humanly here. Chez nous maintenant. For us. Ça c'est comment Jésus a fait. This is how Jesus did it. Je voulais te faire voir le principe. I wanted you to know the principle. C'est la même chose pour toi. And it's the same thing for you. Tu veux. Jésus a voulu laisser l'homme se manifester. Jesus wanted to let the human be manifested. Hein? Do you understand? The man. Dieu Jésus a voulu laisser homme Jésus se manifester. God Jesus wanted to let human Jesus be manifested. Il s'est renié. So he denied himself. Et il est devenu ça. And became that. Il est devenu homme. He became a human. On est ensemble? Are you following? Maintenant, nous hommes, now us humans, on veut laisser Jésus Dieu se manifester. We want to let Jesus God manifest himself. On se comprend, non? Are you understanding? Donc, il y a un dépouillement. So there is a self-denial. Reniement de soi. Self-denial. Complètement.
completely. Pour que maintenant, so that quand on te regarde, when they look on at you, voit plus toi. They don't see you. On voit plus l'homme Jonathan. They don't see the human Jonathan. On voit Christ Jésus. They see Christ Jesus. Quand tu parles, when you speak, on n'entend plus l'homme Jonathan parler, on entend Christ Jésus parler. They don't see the human speaking, they see Jesus speaking. Quand tu marches, when you walk, on voit plus un homme saint marcher. Mais on voit Christ Jésus marcher. They don't see a simple human walking, but they see Christ Jesus walking. Quand tu parles aux démons, when you speak to the demons, un homme qui parle aux démons, les démons voient Jésus qui parle, donc ils partent. The demons don't see a human speaking to them, they see Jesus speaking to them, so they leave. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Donc c'est complètement. So this is completely se renier, denying ourselves, soi-même, ourselves. Et maintenant, and then, laisser quoi? Letting, c'est un travail sérieux. This is a very serious job. Reviens. Regarde. Look. Jésus est là ou tu es là? Jesus is here and you are here. Toi, tu veux tendre ta main à droite, ok? Okay. Jésus veut tendre sa main à gauche. You want to stretch your hand to the right and Jesus wants to stretch his hand to the left. Tu reflètes la lumière de Christ? Are you reflecting the light of Christ? L'œuvre, can you turn it off? Amen. Donc l'œuvre que Jésus est en train de faire. So the work that Jesus is doing. En fait, c'est l'œuvre qu'il a préparé pour toi. Hein? This is the work that he planned for you, right? De manifester. That is manifesting right now. On suppose que en ce moment. Let's suppose that right now. Il fait ça. He's doing this to the left. Toi aussi tu as ta volonté. But you also have your own will. Regarde ce que tu fais. Look at what you do. Est-ce qu'on voit Christ? Are we seeing Christ? C'est l'œuvre de Dieu ça. Is this the work of God? C'est ton œuvre. This is your own work. Donc tu as ta volonté. So you have your own que will. Que tu dois tuer. That you need to kill. Pour qu'il y ait une seule volonté. So that there will be one and only la will. La volonté de Jésus. The one of Jesus. C'est un message fort. This is a strong message. Ça veut dire tu as volonté. Meaning you have your will. Mais tu laisses ta volonté. But you leave your will. Tu as des choses à dire. You have things to say. Jésus est en train de parler. But Jesus is speaking. Toi tu oublies pour toi, tu renies pour toi, tu dis, tu laisses ta bouche, Jésus parle. You forget your words, you deny yourself and you let Jesus speak. Tu vas aller là-bas, hein? You want to go this way. D'accord? Right? Jésus va aller ici. And Jesus wants to go to the left. On s'en va. Let's go. Ça marche? Is this thing working? Tu t'es pas encore renié. You didn't deny yourself. Tu as encore une volonté. You still have a will. C'est comme si littéralement, il est un peu grand. Sinon, c'est comme s'il monte sur mes pieds. It's like he's on my feet, literally. On est ensemble. Are you following? C'est comme s'il monte sur mes pieds. It's like he's on my feet. Et puis on attache les mains. And we tie the hands. Si on pouvait, ma bouche, tout est devenu un. If we could, so that everything would be one. Là, quand il meurt, en fait, lui-même, il fait plus rien. So that he doesn't do anything quand anymore. Quand moi, je fais comme ça, c'est sa main qui bouge. When I do this, his hand is moving. En fait, littéralement, c'est, en fait, ça, on appelle, il luit, frère, sa lumière brille. This is what is called shining. Là, quand je bouge, en fait, when I move like this, il est en train de bouger. He's also moving. Ce n'est plus lui qui se conduit. He's no longer conducting c'est himself. Christ qui le conduit. But Christ is leading him. Mais le premier travail c'est le reniement, reniement, reniement. Laissez. But the first work is to deny yourself, to let the flesh die. Renier tes propres pensées. Deny your own thoughts. Ta manière de voir. Your way of seeing ta things. Ta manière de faire. Your way of doing. Ta volonté. Your own will. Je veux. Non. I want. Est-ce que tu veux? No. Leave what you want. John 6:38. On va vers la fin. We're now going toward the end. On va vers la fin. We're now going toward the il end. Faut que après tu battes calmement t'asseoir en retraite pour écouter. You now need to later go on and sit down calmly and listen ça, to le this. C'est message il faut prendre Seigneur, ça va pas passer. Ma vie doit changer. These are the kind of message you play on replay and say, Lord, this cannot go. C'est and déjà une grâce d'avoir le message, maintenant il faut que la transformation vienne. My life has to change. You need to say it's already a grace to have it. Now the transformation has to come. Regardons ce qu'il dit. Let's look at what he says. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté. For I have come down from heaven not to do my own will. Ça veut dire que j'ai ma... Meaning that he has his own
will. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. But the will of him who sent me. I don't know if you get the weight of this. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez la puissance et le poids. Tu comprends ce que c'est? Do you understand what this is? C'est pour ça que pour qu'on comprenne cela, Dieu nous donne des institutions comme le mariage pour qu'on puisse avoir une idée. So for us to understand these things, God is giving us institutions like marriage so that we can have an idea. Tu as ta volonté. You have your will. Mais souvent tu vas laisser pour faire plaisir à ta femme. But sometimes you will let your will go to please your wife. Pour nous aider à comprendre. This is to help us understand these things. Je suis descendu du ciel. I have come down from heaven. Pour faire non ma volonté. To do not my own will. J'ai une volonté. Because I have a will. J'ai ma volonté. I have my will. J'ai ce que moi-même je veux. I have the things that I want by myself. Par exemple, je veux pas aller à la croix. For instance, I don't want to go to the cross. Le Père voulait aller à la, voulait que j'aille à la croix. The Father wanted me to go to the cross. Deux volontés. Two wills. Il a dit. He said. C'était facile? Non. Was it easy? No. Mais il fallait que le Père brille au travers de lui. But the Father had to shine through him. C'est ça. Le Père brille au travers de Jésus. Jésus brille au travers de nous. That's it. The Father is shining through Jesus, and now Jesus is shining through us. Répète ça bien, c'est très important. The Father is shining through Jesus, and now Jesus is shining through us. Non pas ma volonté. Not my own will. Donc que ta lumière luise là. So may your light shine. C'est que les œuvres que tu as préparées pour moi soient pratiquées. Means that the work that God has prepared for you be practiced. Parce que quand les œuvres vont se manifester. Because when the work will be manifested. Tu, en fait, c'est ça le niveau là, c'est ça le pont où beaucoup de chrétiens sont de l'autre côté. This is the bridge that many Christians refuse to cross. Ah, tu as ton plan. You have your own plans. Tu as ta volonté. You have your own will. Je veux ça, je veux faire ça. I want to do this and that. Il y a une contradiction. So there is a contradiction within yourself. Bagarre. There is a fight, a battle. Une bagarre. There's a battle of wills. Jésus veut ça, tu veux ça. Jesus wants this and you want that. Jésus veut ça, tu veux ça. He wants this and you want this. Il y a un combat. There's a fight. Il dit non, tu dis oui. He says yes and you. He says no and you say yes. Il a ses émotions, tu as tes émotions. He has his emotion and you have your own. Jésus dit, je n'aime pas ce garçon là. Moi j'aime ce garçon là. Je suis amoureux même de ce gars. Jesus say, I don't like this boy. And you say, I'm in love with him. Je vais aller évangéliser. Bon, j'ai pas envie d'évangéliser. Jesus say, I want to go and evangelize, and you say no, I don't feel like it. Jésus dit, je veux aider. Jesus says, I want to help. Oh, bon, moi j'ai pas beaucoup d'argent. Oh, and you say, I don't have a lot of money, Jesus. Jésus dit, je veux prier. Jesus says, I want to pray. Une heure. For 1 hour. Il dit, non, moi je veux dormir. And you say no, I want to sleep. C'est ça. This is it. Tu comprends? Do you understand il this? Était là physiquement. He was here physically. Il avait sa volonté. He had his own will. Il dit, pas ma volonté. He said, not by my will. C'est comme ça. This is how it is. Que la plupart des serviteurs des hommes de Dieu dans la Bible ont eu la victoire. Dès le moment où Élisée dit que je suis Élie, il a commencé à faire la même. C'est le même truc. Il a oublié sa volonté, oublié ses sentiments, oublié ses quoi, quoi, quoi. Pour que c'est une seule volonté maintenant, la volonté d'Élie. Là où Élie va, c'est là-bas qu'on va. Je n'ai pas de programme, c'est son programme. Je n'ai pas de plan, c'est son plan. La Bible dit que Élisée était celui qui versait l'eau sur la main d'Élie. Ça veut dire qu'il le servait dans les détails. Elisha, at the second he became a servant of his master, he denied himself. He was only by the will of his master. The Bible even says that he was the one pouring water for his master to wash his hand, meaning he was serving him even in the details. And to understand that, c'est en Afrique. And to understand that in Africa, pour ceux qui viennent de l'Afrique, for some who know, vous comprenez ça facilement. You understand that easily. Parce qu'en Afrique, because in Africa, souvent les enfants, tu prends l'eau, tu verses ça sur la mère de ton père et puis ils lavent. C'est ça qu'Élisée faisait. Et puis, pour dire, s'il fait ça là, ça veut dire, imagine ce qu'il fait pour servir. Ça veut dire, il a oublié sa vie. Il a oublié ce que lui est venu faire. Il a oublié que lui, en fait, lui-même, il n'existe pas. C'est Élie qui existe.
In Africa, the children will pour water on the hands of the father for the father to wash their hands. So if the Bible says that he did that for his master, it's only for us to imagine how in detail he was serving his master. C'est niveau d'honneur et de respect. This is a high level of honor and respect. Verse 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. This is the will of the Father who sent me, that all he has given me, I should lose nothing, but should rise it up at the last day. On finit avec Jean 5, 19 à 36. Let's finish with John 5, 19 to 36. Vous commencez à être rempli là. You're beginning to get full. Jésus reprit donc la parole. Jesus took the word. Et leur dit. And said. En vérité, in truth. Je vous le dis. I say to you. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. The Son can do nothing of himself. Il ne peut pas. He can't. En fait, quand il dit il ne peut pas, ça veut dire que il n'a pas la capacité de dire non. Non, il veut dire le fait que lui il s'est rangé comme un fils là, fils de Dieu là. Donc je ne peux pas faire, je décide. Ça veut dire cette relation là, je m'autorise à ne rien pouvoir faire sans lui. So when he said that he can't do anything without him, the will of him who sent him, it doesn't mean that he doesn't have the capacity. He has the capacity, but he has set himself in a sonship in such a level that he decided not to do anything that the Father doesn't decide. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. But what he sees the Father do. Yeah. C'est pas ça que je t'ai expliqué. Isn't it what I explained to you? Essaie d'être sensible et tout, hein. Try to be sensible. Presque au même moment. Alléluia. Sois guéri. Bon, André, tu ne suis pas les yeux à l'heure, hein? You don't follow Jesus on time. Tu es un peu en retard de secondes. You're a little late a few seconds. Ah, mon frère. Pauvre. Poor. Comme ça. Take this. Malade. Sick. Sois guéri. Be healed. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. But what he sees the Father do. Tu comprends? You understand? Tu comprends en fait la logique de. Tu comprends? You understand the logic here? Ça veut dire maintenant. Je copie littéralement. Je suis tellement transparent que c'est la lumière qui fait. Quand l'ampoule est transparente, elle n'a même plus d'effet sur la lumière. C'est comme si la lumière, c'est elle qui est là. C'est ce qu'elle fait qui est là. This means that he has become so transparent that he only does what the Father does. Meaning that the light bulb is so transparent that the light bulb doesn't do anything anymore. It's just the light shining through it. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait. For whatever he does, le Fils le fait aussi pareillement. The Son also does it in like manner. Verset 20. Verse 20. Car le Père aime le Fils. For the Father loves the Son. Et lui montre tout ce qu'il fait. Oh, and shows him all things that he does himself. Danser un peu là. I feel like dancing a little bit. Et il lui montrera des quoi encore? And what? Qu'est-ce que le père veut montrer à un fils? What does the father want to show to his son? C'est quoi? The works. And he will show him greater works. Les œuvres qu'il a préparées en avance pour toi. Là. These are the good works that he prepared in advance for you. Ça, on dit cherche Dieu celui qui est intelligent. That's what the Bible. That's why the Bible says that the one that is intelligent seeks God. Quand on cherche, on fait quoi? Hein? Quand on cherche, on fait quoi? On trouve. On trouve. When we look, we find. Ce qui est trouvé est montré. What is found is shown. C'est le Père qui montre. So the Father is the one showing. Qu'est-ce que le Père veut montrer? What does the Father want to show? Les the good works. Il veut te montrer ce que tu dois faire. He wants to show you what you should do. C'est le temps.
It is, it's time to do this. C'est le temps de faire ça. It's time to do that. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui cherche Dieu, so if you're not someone who seeks God, tu es en train de faire ta propre volonté. You're doing your own will. Donc, quand tu comprends ça, when you understand this, ça va être difficile de te séparer de Jésus. It will be hard for you to separate yourself from Jesus. C'est pour ça que je vous ai dit il y a des mois ou années, je ne sais pas, que la chose la plus dangereuse, c'est quand je n'entends pas la voix de Dieu. Parce que là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit. Donc, je crains que je suis en train de faire des choses de moi-même. That's why I told you some time ago that the thing that I fear the most is not hearing the voice of God. Because then I don't know what to do. I fear doing things of my own will. Losing communication with the Holy Spirit is the most dangerous thing. It's like an airplane on the air who lost communication with the tower. Perdre la communication avec le Saint-Esprit est la chose la plus dangereuse. C'est comme un avion en plein air qui perd la communication, le contact avec la tour de contrôle. C'est la chose la plus... Ça veut dire, il dit, prends tout droit. Et puis, allô, 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 c'est fini. Prends tout droit. Je tourne où? Je tourne où? It's like Jesus saying, go straight. And then the communication is stopped. You can't hear me anymore. You don't know where to go, which way to turn. Where do we turn, Lord? Do we stop? Do we slow down? You don't restaurer know. La communication. You need to restore the communication. Quelqu'un doit restaurer la communication. Someone needs to restore the communication with the Holy Spirit. Tu dois entendre la voix du Saint-Esprit à nouveau. You need to hear the voice of the Holy Spirit one again, once more. Hallelujah. Amen. Donc le Père montre les œuvres en grandissant, ça veut dire les petites en allant, ça veut dire il donne petit et puis il grandit, il te montre les plus grandes œuvres au fur et à mesure. Donc ce que tu as vu n'est rien encore. The Father shows the work from little to greater. So what you've seen is nothing yet. Tu as compris ce que je viens de dire? Do you understand what I just said? Toutes les bénédictions que tu penses que tu as eues. All the blessings that you think you have. Ce que Dieu t'a fait avec ta vie. What God has already done with your life. Ce n'est rien encore. Is nothing yet. Parce que. Because. Tu verras de plus grandes. You will see greater works. Ah. Et, yes. Les gens seront dans l'étonnement. And that you may marvel people. Dis amen. Say amen. Donne-moi le verset 35 du même chapitre. 35. Give me the verse 35 of the same chapter, please. 35. Verse 35. Jean, alléluia. Hey, 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 hey. Jean était au Balibakata. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Il dit. He says. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Wow. John was the burning and shining lamp. Ça, maintenant, c'est un exemple palpable. This is a palpable, clear example. Jean-Baptiste. Il dit, John the Baptist. Jean. He says John. Était une lampe. Donc Jésus me montre le type de lumière qui. Was a lamp. Here Jesus is showing the type of lamp that is shining. Qui lui. Et puis il dit que Jean luisait. And he said that John was shining. Jean brillait. He was shining. Ça veut dire quoi? What does that Jean mean? Faisait les œuvres que Dieu a mis. John was doing the good works that God prepared for him. Il allait faire ingénierat de doctorat de. Il faisait quoi? C'est les œuvres que Dieu a fait, non? Was he looking for a PhD? No, he was doing the works that God prepared for him. Je n'ai pas de pas faire PhD. Hein? I'm not saying not to go for a PhD. Hein? You understand me, right? Et dit Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Oh! John, the Bible wow. says, John was the burning lamp, burning and shining lamp, and you were willing for a time, an hour, to rejoice in his light. Are you hearing this? Jésus dit, Jesus says, Jean était une lampe. John was a lamp qui brûlait. That was burning. Et qui luit. And shining. Et parce qu'il luit. And because he was shining. Vous vouliez seulement être une heure avec Jean. You just wanted to spend one hour with him. Parce qu'il a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient le Père. Quand tu commences à luire, les gens veulent être à côté de toi. Because the Bible says that let your light shine so that people may see it and glorify the Father. So when your light is shining, people want to be near you. Il dit, vous vouliez seulement être une heure. Quand Jean prêche là, tu veux seulement être là, tu écoutes le gars, même c'est une heure. So that means when the light of John was shining so brightly, people just wanted to be with him. Meaning when he was preaching, people just wanted to sit down and listen. Qui reçoit cette parole? Who is receiving this word?
35 et puis je pense qu'on va s'arrêter. Moi, Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Verse 36, but me, Jesus, have a greater testimony than John's. Ma lumière là. Meaning my light. Est plus puissante. Elle est plus grande que celle de Jean. Is brighter than the one of John. Moi, je ne suis pas une lampe simple. I am not a simple light. No. Il dit, car les... Tu vois, on parle encore. You car see, les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jesus says, for the work which the Father has given me to finish, the very works that I do bear witness of me that the Father has sent me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se tient debout. Let's stand up. Je voulais ajouter un verset. Amen. I wanted to add a verse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, hein? Amen. Amen quoi? Alléluia. Ah! Alléluia. Hein? Amen, amen. De Bisset, hein? One more verse. Jean 3:16. John 3:16. Jean 3:26. John 3:26. Dernier verset, frères et sœurs. Last verse, brothers and sisters. 26 à 30. 26 to 30. On parle de Jean, n'est-ce pas? We're talking about John, right? Jean 3:26. John 3:26. Suivez. Follow this carefully. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage là, voici, il baptise et tous vont à lui. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing and all are coming to him. Jean répondit. John answered. Un homme ne peut recevoir que celui qui est donné du ciel. A man can receive nothing unless he has been given to him from heaven. Je n'ai pas développé ça, c'est très fort. Hein? Donc, le prochain. Next Wednesday, I will go deeper into this verse. On continue. Let's continue. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui en avance. You yourself bear witness to me that I said I am not the Christ, but I have been sent before him. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. He who has the bride is the bridegroom. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the voice of the bridegroom. Therefore, this joy of mine is fulfilled. La formule. The formula. 30. 30. Il faut que je... Il faut qu'il croisse. He must increase. Et que je. But I. Tu comprends comment Jean a manifesté les œuvres de Dieu? You now understand why John manifested the work that God prepared for comment him. Comment Jean a laissé Jésus? How John let Jesus briller? Shine. Tu vois comment Jean a laissé Jésus se révéler au monde? You see how John let Jesus reveal himself to the world. C'est en diminuant. It's by decreasing himself. Mercredi prochain. Next Wednesday we'll continue. Acclame le Seigneur. Let's clap for the Lord. Élève la voix et commence à parler au Seigneur maintenant. Lift up your voice and begin to talk to the Lord. Parle now. Au Seigneur. Dis-lui merci pour ta parole. Speak to the Lord. Thank him for his word. Et dis-lui Seigneur. And tell him, Lord. Je décide à partir d'aujourd'hui de me régner moi-même, de régner ma propre volonté, de régner mes sentiments, régner mes émotions, régner ma personne, pour que toi tu puisses être vu, pour que toi tu puisses être glorifié. Tell him I decide to deny to myself, deny my own thinking, deny my own wisdom, for you to be manifested, for you to show yourself. Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir. Spirit of God, we are here tonight. Demandant ta grâce. Asking for your grace. Merci pour ta parole qui a été relâchée.
Thank you for your word that was released. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Ce soir, nous avons reçu ta parole. Tonight we received your word. Et nous prions, Père. And we pray, Father. Nous avons pris cette décision ferme. We have taken that firm decision. De nous renier nous-mêmes. To deny ourselves. Afin que tu sois vu, Seigneur. So that you will be seen, Lord. Afin que nous puissions pratiquer les œuvres que tu as préparées. So that we can practice the word that you have prepared for oh, us. Oh Seigneur, notre Père. Oh Lord, our Father. Brada bakotoro baki brakatara babakazara bashiba tonction là. Seigneur, ta présence est là. Lord, your presence is oh, here. Mon Père. Oh, my Father. Oh, ces choses que nous avons vues comme des gains. These things that we saw as advantages. Nous les voyons, Seigneur, nous les regardons aujourd'hui comme une perte. We now see them as a loss. Brataka sakata rababa. Renouvelle nos mentalités. Renew our minds. Rababa kete Oh Seigneur, comme Paul l'a dit, as Paul said, nous ne nous confions pas à la chair. We do not trust in our flesh. Nous n'avons pas confiance à la chair. We don't have our trust in mais the flesh. Mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. But we are led by the Holy Mon Spirit. Mon frère, prie sincèrement, parle à Jésus, il t'écoute. Pray sincerely, speak to Jesus, he listens to you. Shabaro debele kataya. Rekete au nom de Jésus. It's in the name of Jesus. Que nous avons prié. That we prayed. Que tout le monde dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que sa grâce repose sur vous. May His grace be upon you.